peu pas de chance quand même. Bah écoutez, l'expérience du coup nous indique que on peut avoir des drops de voitures level 10. En vrai, c'est abusé, hein. Tu peux pas faire le BR dans le monde Lego. Non. Non, non, c'est dans l'open world. Parce que le monde Lego est pas grand en fait, donc c'est quasi pas possible de faire le BR là-dedans. Hein. Clairement, c'est vraiment pas très très grand. Allez, next game. Next game. Bah Ringo, tu traces moins face à un arbre. Le pire, c'est que je les ai full rattrapés. Elle est vraiment fumée, cette voiture de Mercedes. Le Lego est pas inclus dans le Game Pass. En plus, dans le GP. Je viens de finir le DL. Le DL, le jeu, j'ai pas encore essayé. Ah oui, non, dans le Game Pass tout court, non. Ford F-150. Ok. Dans le truc tout court, non. C'est pas... Rossi, ouais. C'est pas inclus. J'aime bien ce point ici en vrai. C'est pas inclus dans le Game Pass. C'est un DLC de Forza. Alors que dans le Game Pass, t'as juste les jeux directs, quoi. T'as pas forcément les DLC avec. Même dans le Game Pass Ultimate, je pense pas non plus. Mais du coup, selon les pubs qu'il y avait dans le Game Pass Challenge, le Game Pass va pas mal évoluer en 2020, c'est ça? Avec pas mal de nouveaux jeux en plus et un Game Pass bien bien complet quoi. Tu vas me le faire acheter. Bah en vrai, Forza, oui, Forza en soi, je conseille quoi, tu vois. Et le Game Pass de manière globale, bah je suis pas corpo Xbox ou je suis pas sponsor Xbox ni quoi que ce soit. J'ai juste participé au Game Pass Challenge. Et oui, leur Microsoft Store pue la merde et vraiment un chier, et le compagnon d'Xbox aussi, hein, ça c'est sûr. Mais alors, par contre, le Game Pass en lui-même est hyper, hyper intéressant. Je trouve qu'il y a plein de bons jeux dedans, il va y en avoir en plus des nouveaux. Donc, il y a de quoi faire, hein, clairement, et pas pour un prix excessif, perso, je trouve. La version Ultimate du Game Pass, peut-être, mais bon, est-ce qu'il y en a vraiment besoin? Ça, je sais pas. Dommage, mais bon, je pense que le jeu de base fait quand même le café. Oui, en vrai, l'extension Lego est pas non plus exceptionnelle. Elle est cool, mais sans plus, quoi. Genre, vraiment sans plus. Combien ça coûte? Je crois que le Game Pass classique... Déjà, t'as le premier mois à 1 € si je dis pas de conneries. Et sinon, c'est 10 balles, hein, je crois. T'as qu'un sponsor de toute façon. Et ouais, j'ai qu'un sponsor de toute façon, et c'est STZ Tech. Mesdames et messieurs... Ça c'est bien vrai, ça. Les 3 premiers mois à 1 € PayPal, je sais pas si s'il y a toujours l'offre, du coup j'imagine que c'est ça que tu voulais dire. 4 € par mois, la bêta du Game Pass. Sérieux? J'avoue, je connais pas les tarifs, mais j'avais de tête que c'était pas excessif compte tenu des jeux qu'il y avait dedans, en gros. À vous de me dire. J'ai le Game Pass et j'ai Forza Ultimate avec, donc tous les DLC Lego inclus. Après, j'avais pris l'Ultimate le premier mois, c'est peut-être lié. Oui, parce qu'en fait, t'as différents niveaux et tarifs concernant le Game Pass. Et en effet, t'as le Game Pass Ultimate qui certes coûte plus cher, mais alors par contre, tu unlocks absolument tout dans la boutique. Donc c'est à voir. Xbox c'est très bien sur PC, mais c'est horrible sur console. Et tu voulais dire l'inverse. Sur PC c'est de mieux en mieux, je dirais. Il y a des trucs qui sont un peu compliqués, mais c'est de mieux en mieux. Ça t'oblige un peu à avoir une machine de guerre aussi sur certains trucs, quoi. C'est juste ça. Je pense que c'est pas très friendly avec les PC moyenne gamme, si je peux dire. Bon, il y a des gens où on se fait vraiment royalement chier jusqu'au bout en fait. Il y a des gens, il y a des drops, il y a, j'en sais rien, des trucs quoi. Le jeu en fait. Qu'on fasse quelque chose.
Le Ultimate, c'est le Game Pass pour PC, Xbox, plus le Gold, et actuellement c'est 1 € pour 3 mois. Ben voilà. Et ensuite, c'est combien en fait? C'est surtout ça. Tu conseilles de prendre le Pass ou le jeu Forza directement? Personnellement, je conseille vraiment de prendre le Pass en fait. Parce que Forza, de mon point de vue, purement de mon point de vue, vous en faites ce que vous voulez, c'est un très bon jeu. Mais je sais pertinemment que je vais pas y jouer plus de 6 mois. Et déjà 6 mois, je compte large. Je compte très très large. Du coup, je suis en mode, dans mon point de vue, c'est plus worth de prendre le Game Pass et de jouer à d'autres trucs en même temps que de jouer que à ça, quoi. Juste pour info, Wingo, en finale d'animateur, tu peux sortir de la zone au moment où on t'annonce que ça commence dans 30 secondes. Ah ouais? Mais non. Sérieux? Ouais, 6 mois. Non, mais c'est pour ça, je compte très très large avec 6 mois. Et le truc, c'est que. Si je prends le Game Pass, j'aurais envie de jouer à d'autres trucs, tu vois. C'est sûr. Là, je vais me faire niquer, là. Donc là, il va me défier 100%. Voilà. Avec son Ford Raptor. Je pense que je suis dans la merde, là. Regardez le monstre que c'est comparé à moi. Quoi? Comment ça, il n'y a pas les collisions? Cou. Juste parce qu'il fout le bug. Juste parce qu'il fout le bug. Du coup, il n'y a pas les collisions. Faut aller là-haut. L'avantage, c'est que j'ai juste la pire caisse pour ça, en fait. Ça, c'est bien. Et qu'il a la meilleure. Mais tourne à gauche, bordel. Je crois qu'il est full stuck sur le pan de la montagne. Ok. Eh bien, c'est win. Eh bien, c'est win. Ouais, c'est full stuck, hein, le con. En général, on joue à Forza par phase, et je suis assez d'accord avec ça. En fait, c'est que moi, je me vois pas jouer à Forza tout le temps. Et du coup, je me vois jouer à plusieurs jeux. En tout cas, dans mon utilisation, clairement, c'est Game Pass beaucoup plus friendly que de prendre que de bail le jeu en entier comme ça cash. Le jeu coûte quand même assez cher hein. Donc bon, t'as 250 heures sur Horizon 4. Ah quand même. 250 heures, ça commence à faire sur ce genre de jeu quand même. J'aime pas la galant. Ford Raptor, j'hésite. Je pense que c'est mieux que celle que j'ai. Sur un temps de gaming, il est à genre 30 balles. Oui, après, il y a ce moyen-là. Je pense que ça dépend vraiment des utilisations. Mais c'est ça, l'avantage du Game Pass, en fait, c'est que si t'as du temps, si t'as envie de jouer à d'autres trucs, que tu sais que tu vas pas spammer tous les jours Forza, etc., bah, c'est cool. C'est presque un an presque quotidiennement sur le jeu. T'as t'es motivé. Ou, enfin, tu kiffes, tout simplement. Et si tu kiffes, tant mieux, hein. C'est plus important. Alors, que se passe-t-il? J'ai vu qu'il y avait des gens là-bas complètement en train de monter, de gravir la montagne. Je comprends pas ce qu'ils foutent. Ils sont en train de se follow pour se défier. Et ils vont pile se défier quand je vais arriver. Voilà. Ok, il y a un drone là-bas.
Yes. Tu sais, genre à la limite, le jeu débloque-moi quoi. Ah, mais je vais vraiment pas du tout pouvoir me débloquer. Si, dans le sens inverse. C'est une joke. Qu'est-ce qui se passe là? Est-ce qu'il faudrait pas que je me laisse aller? Et c'est des coups de frein à main. C'est ce que j'essaye, ouais. Mais c'est nimp. Est-ce que vous captez quand même l'endroit où je me trouve ATM, tu vois? Genre, à quel moment je tombe pas? Ça n'a aucun putain de sens. Je crois que je suis vraiment en train de glisser un peu. Mais c'est tout. Ouvre le menu, réinitialiser la position. Y a pas un truc, c'est pas dans les paramètres de commande, genre? Rembobiner. Ce serait pas par rapport à ça? Attendez. J'ai mal regardé. Ce n'est pas disponible en BR. Et y a rien d'autre? Ouais, sinon ce serait trop cheaté. C'est-à-dire que, genre, y a un mec qui te court après, enfin, qui essaye de te catch et. Moi j'aimerais juste. J'aimerais juste qu'on me laisse tranquille. Imaginez, je me débloque et je win. Tu vas peut-être faire top 2. Je suis dans la zone en fait, c'est ça qui est marrant. J'arrive sur le stream, qu'est-ce que tu fous sur un rocher? Je suis bloqué! Ça fait vraiment 5 minutes que t'es bloqué comme ça. Oui, exactement. Mais. Y a des gens là-bas. J'aimerais bien demander à quelqu'un de me foncer dedans. Ce serait trop bien, genre. Vous voyez les roues là qui full bug? En fait, c'est qu'il y a que mes roues arrière qui bougent. C'est vraiment nimp. Besoin de bras? Tu pourras pas t'en sortir, cet endroit est full buggé. Sors et pousse. Et non, c'est pas X pour reset la position. Ah, bref. Toute façon, on n'est pas là pour gagner des points, mais. Enfin, d'accord, Raptor est égal mauvaise idée finalement. Non mais vraiment, je respawn ici! Ils se foutent de ma gueule! Ça m'a fait respawn ici quoi. Incroyable. Il y a un panneau d'influence dans l'eau. Wow, quel bordel. Ah, ici. Oh, dommage. C'est un appui sur le stick quand tu fais start, mais pas dispo en BR. Ok. Ah, je savais pas. Je savais pas, je savais pas. Bon, allez, c'est reparti. Fresh new game. Quand même.
On a eu des belles games, mais là, ça fait un petit temps qu'on n'a rien du tout. Hein. Non. Ça fait un petit temps qu'on n'a vraiment rien du tout. T'es niveau combien? Je crois que je suis niveau 175, 180, peut-être quelque chose comme ça. Allez, la petite mini qui fait plaisir. Yomazaki. Alors, on va se faire spawn. Est-ce qu'on changerait pas pour une fois? Peut-être se faire spawn, genre. Ouais, ici c'est un peu nul. En ville. Vas-y, on va faire ça. Bonsoir aussi, Gilbert Deco. Tu vas bientôt passer le prestige. C'est Kenny qui avait eu le prestige de son côté. Il était 200, 200, 200, 200, 200, 205, 210, quelque chose comme ça. Je sais plus exactement. Je sais pas si je peux voir mes levels quelque part. Normalement, dans le menu, je peux les voir. Ah, je suis au festival. J'avais pas capté que j'avais spawn là. Trop marrant. Menu. Laissez-moi le menu. Je suis level. Ah, bah c'est bon. Je suis level 206. Nice. Tu joues full assistance. Non, je joue avec aucune assistance. Juste, je joue pas avec l'embrayage parce que bon, c'est pas abusé. Les niveaux veulent strictement rien dire de toute façon depuis le Goliath Glitch quand le jeu est sorti. Je sais pas du tout ce que c'est pour le coup. Prestige 2, niveau 186, ouais. T'as gagné, t'as bien bien joué quoi. Ok. On a une petite level 3 Lancer MR06 qui fait plaisir, pas piqué des hantales. Et on va donc pouvoir défier des gens. Afin de faire step up notre caisse, je vais aller vers la droite. Mais ce qui est ouf, ouais, c'est à quel point la mini, c'est quand même vraiment compliqué de la battre. Genre, c'est vraiment pas évident. Oh, il y a un mec qui a une DRS Bentley. Ouais, il y a quand même des gros gros drops qui ont été trouvés. C'est ouf comme les arbres sont vénères. L'arbre te stuck complètement. Tu sais, genre, il. C'est pas comme si juste tu le tapais, tu vois, c'est. Ça te stuck complètement, peu importe comment tu le touches. Merde, j'avais pas vu qu'il était à droite, le mec. Ok. Je pense que c'est un mec avec une mini. Ça pourrait être bien d'aller le catch. Je pense. J'ai un petit doute, j'avoue. On va voir. On va voir, on va voir. Oh, il y a un drop. Oh. Level 4. Level 4, il a la golf du coup. Je pense qu'il va essayer de venir me challenge, il y a de grandes chances. Oh, pardon, excusez-moi. Le Goliath Glitch permettait de finir 50 tours du Goliath en 1 minute au lieu de 10 heures et de récupérer l'XP et l'argent. Ok. Ok. Ouais, donc plutôt insane. Surtout que la run et la race est tellement longue. Longue et éprouvante en plus de ça en 1 minute. Mais le glitch consistait à quoi en gros? Parce que t'as des checkpoints tout le long de la map, non? Si je dis pas de conneries. Ok, alors. J'ai l'impression que toute la map a une bonne voiture là. Je vois tout le monde step up sur des level 4, des level 5. Oi, Ben! Dis-nous tout. J'ai passé toutes les voitures des gens qui sont dans la pampa, visiblement. Ils sont en full pimp. Ouais, ok, ok, team. Merde.
Je suis déjà passé par là tout à l'heure. J'ai fait exactement la même erreur en repassant par là tout à l'heure. Trop marrant. Je t'avoue qu'on voit pas de ouf quand les gens level up avec le chat. Ah oui. J'imagine. Ah oui oui exact. Donc il y avait bel et bien un endroit où le chat était mal placé. Ok, on va voir si c'est mieux. Ça a l'air d'être un peu mieux. Salut Spoltai. J'entends un drone. Oh, nul. Please. Oh, ça a l'air clean, Ben. Ça a l'air tout à fait clean. Oh non! On revient vers l'endroit maudit. Au secours. On n'y est pas loin en tout cas. Là, le problème, c'est que je suis vraiment dans la merde avec cette caisse dégueu. Je fais que de bailler, ça me saoule. Pardon, hein. Vraiment, je le veux pas. Mais je ne fais que de bailler. J'ai très mal calculé mon truc. Tu connais la map par cœur en entier? Non, je connais juste certains endroits. Il y a lui là. Oh, ça va se défier ici, c'est sûr. Non? C'est pas défié? Ok. Ford Raptor. Ford Raptor. I am defying you. Je me dis que je vais passer par la route. Mais le problème c'est qu'il joue Raptor donc. Oh, je crois que je suis en train de faire le pire truc. Je suis en train de faire le pire truc. Problème. Il y a vraiment un mec en train de me chase là. Ouais, il y a un mec complètement en train de me chase. Oh, mes gros chiens! Casse-toi! Avec ta Subaru là de mort. Mais c'est pas possible de pas avoir de vie à ce point quand même, c'est grave. Hein. Si vous pensez être marrant, vous ne l'êtes pas, même pour le live en fait. C'est grave. Hein. Oh. Ah, putain. C'était le truc que je voulais éviter, j'ai tout fait pour l'éviter, il n'y a rien du tout qui a fonctionné. En vrai, je suis dans la merde quand même, puisqu'il est en Ford Raptor. Et qu'il est assez proche. Je sais pas du tout qu'est-ce qu'il y a là en face de moi. Ok, j'ai eu de la chance. Oh mon dieu, c'est tellement close. Ok, on va step up la voiture du coup. Subaru. Ah, on l'aime bien celle-là. Ok, let's go. Bah c'est la Sentin, c'est ton pseudo Microsoft. J'imagine. Pseudo ou même si t'as indiqué un prénom dans ton compte, j'en sais rien, tu vois. Ce genre de truc. Ça passe là-dedans ? Ok, en première non, mais en seconde oui. On est que en level 4 Subaru, c'est pas exceptionnel là pour le moment. Faudrait vraiment que j'arrive à catch up des gens dans l'eau. Je suis content d'avoir win celle-là, c'était assez décisif pour le reste de la game. La Subaru est vraiment pas mal en plus de ça pour win une race ou deux là, je pense que ça peut le faire. Mais par contre, les mecs qui full chase, vraiment, vraiment des grosses merdes.
suis en train de revenir dans la zone petit à petit. Je cherche des gens, j'ai les flèches depuis tout à l'heure, mais ils sont... Ils sont à des kilomètres, hein. C'est grave. Level 2 encore. Audi RS2 qu'on retient dans les level 2, hein, clairement, parce que... C'est les Fritos. C'est quoi l'intérêt de chase des mecs qui sont déjà en duel? Bah, soit c'est des mecs qui sont vraiment débiles et qui... Enfin, non. C'est hyper méchant de dire ça et tout le monde a le droit d'être débutant. Mais soit c'est des mecs qui n'ont pas compris que quand il y a un espèce de panneau interdit sur la map, c'est que la personne est déjà en défi et que du coup tu peux pas la duer. Mais ça sent en plus que c'est un peu du chase agressif, tu sais. Faut que je revienne sur la route, faut absolument que je revienne sur la route. C'est la merde. C'est dans la zone! Ok, cette fois-ci, je me fais pas avoir. J'y vais. Rien à foutre. Oh, en plus, on est dans cette ville de con. Non, 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 mais quel bolos je suis. Ok. Donc là, je win. Audi RS6. Et donc là, maintenant, il faut que je rejoigne la zone avec ma nouvelle voiture. Sauf que j'ai le timer. La zone est relativement proche. Est-ce que ça le fait? Ouais, ça va le faire. Si je me prends pas un arbre, ça peut le faire. Ok. Job done. Job done. Je crois que j'ai vu quelqu'un passer là. Ouais, en effet, il y a des gens. Il y a des gens en duel actuellement en face de moi. La PLS, tu te fais éliminer de là-dessus. Bah, en fait, le problème, c'est... Je sais pas si t'étais là tout à l'heure, Brandon, mais... Mais c'est ce qui m'est arrivé dans le sens où je vois la zone... Je vois ma truc dans la zone, je suis en mode... Bah... C'est mort, je vais pas y aller, le mec de toute façon il va se faire éliminer s'il y va. Il y est allé, il m'a éliminé. Et du coup, bah voilà. Là le problème c'est qu'il faut que je fasse gaffe avec la zone. Puisqu'en gros, ton timer de fin de temps de zone, tu le gardes tu le gardes jusqu'au bout, quoi, en gros. C'est-à-dire que là, si je retourne dans la zone, ça va me descendre ce timer là. Là le problème c'est que je suis que level 5. Donc c'est la merde. Allez. Oh vraiment, putain. Bisous Sibou! Toi t'es resté hyper longtemps Sibou! Bonne fin d'après-midi! A bientôt! Yo Revenge! Comment tu anticipes l'arrivée de la course finale? Je me base sur. La finale commence dans 30 secondes. Ah d'accord. Fuck. Je me base sur. Sur là où il y a beaucoup de chances que ça se trouve quoi. Alors là on est en plein milieu. Ça va pas aller au nord. Vas-y. Je vais faire un pari. Vite, 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 vite. Non mais vraiment, mais putain. C'est grave. Ah ok, bon bah pari réussi. Ok, full route. Ah oh, je le fais en full route, hein, tant pis. Il y aura forcément des cons qui vont prendre des arbres. Ouais. En vrai oui, il faut le faire en full route, mais je vais me faire doubler. Je vais nécessairement me faire doubler. Je suis que en RS6. Laisse tomber quoi, c'est impossible. Je vais essayer. On va essayer. On se démoralise pas trop vite.
Full focus. Ah, c'est pas évident. Tenue de route moyenne. Ah, il y a le connard derrière moi là. Je sais pas ce qu'il a comme voiture, mais il en a une bonne. Et à la fin, il va falloir que je cut. Là, je suis passé en 5ème un petit peu early, mais c'est pas grave. À la fin, il va vraiment falloir que je cut par contre. Ok, c'est bien vu ça. Et je sais pas exactement où. L'arrivée est là-bas. Allez! Allez! Let's go! Win en RS6 avec un veau. Nice. I am the Eliminator. Ah, je pensais pas que j'allais win ça, hein, par contre. Ah bah, j'aurais bien préféré avoir une Panamera, hein, clairement. Ouh, la RS6 POG, de ouf. Carry by the RS6, en fait. Nice, 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 nice. J'ai combien? J'ai un super tirage et j'ai 9 tirages. Nice. Let's go, super tirage. Ouais, le full route, là, c'était un bon choix. Oh! Oh! Bentley Bentega! Motard bleu! Incroyable! Tiens, on va faire ça. A toute, Marwal. Oh! Ça chie. Ah, j'avais 16 tirages, c'était 9 plus, d'accord, ok. Et du coup, ce qui est bien, c'est que je fais chier tout le monde actuellement au niveau de l'éliminator. Puisqu'ils veulent jouer et je suis sûr qu'on attend que moi, du coup. Ça, ça me fait archi plaisir. Oh, j'ai failli avoir le casque légendaire. Ça fait déjà 3 heures que je te regarde, c'est ouf, c'est hypnotisant de ouf. C'est hypnotisant de ouf. Merde, le con, le con, le con. J'en ai fait une de plus. Tant pis. Oh! Oh, grosse folle! Tes joueurs et tes managers ont leur bannière Twitter, tu pourras aller les voir sur Twitter. Nice! Nice, nice, nice. Je vais voir le compte de Skyzen. Envoie-moi le compte de Skyzen Art, s'il te plaît. Ok. Effectivement, je révisais. Je devais faire une pause de 5 minutes. Ça fait une heure que je suis là. À quand la mini Austin? Oula! En plus, j'ai découvert au Game Pass Challenge. Ben, bienvenue à toi sur mon live, en tout cas, si tu découvres ici. Ah oui, nice. Nice, nice, nice. Petite bannière de nos joueurs Team Versatility. Bon, forcément, en ouvert en grand, c'est un peu dégueu, puisque c'est une petite résolution. Mais c'est très bien. C'est très, très cool. RSC. Ok, est-ce qu'on repartirait pas sur une session de l'Eliminator? Oh, qu'est-ce que vous en pensez en fait? Tu comptes tryhard en stream pour Bercy si c'est solo? Tout, solo, duo, duo, solo, je full tryharderai en solo. Enfin, je full tryharderai tout court quoi. J'ai un suivi, moi, tu fais une team. Oui, tout à fait, j'ai mon équipe sur Trackmania qui s'appelle la Team Versatility qui a été annoncée depuis lundi soir. Et on va suivre leur première cup, du coup, ce samedi, sur une compétition auquel pas mal des joueurs vont participer. Et on va les suivre tranquillement, quoi. Donc voilà, pas peu fier. Pas peu fier de mes poulains. Non, j'ai hâte de voir leur évolution. Il va falloir juste pas être. Il va falloir être indulgent au début, puisque c'est fait exprès. On a pris des joueurs qui. Exprès n'ont pas un niveau insane pour au contraire les pousser au plus haut et voir leur progression. Ils ont un niveau entre mid moins et high moins, je dirais, quelque chose comme ça. Donc voilà, du coup je suis manager principal de l'équipe avec 3 co-managers du coup. Et c'est majoritairement eux qui s'occupent des choses et moi je fais des trucs à côté quoi. Voilà. Tu
Tu les as déjà rencontrés? Non. Non, non, non. Un seul que j'ai déjà rencontré qui est un ex-modérateur de la chaîne. Natic. Allez! C'est notre troisième top 1 de la journée. Qu'on a pu faire. Et let's go. Let's go. Let's go. Cherchons un drop. Cherchons un drop dès maintenant. On va voir ça. Tac, 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 tac. Qu'est-ce qu'on a ici? Pour le moment, on n'a pas grand-chose. Ferrari FF. Waouh! Non, j'avoue, je me suis pas trop posé de questions. Je suis parti en off-road instant. Ok. C'est ouf comme le décor. Il fait très très mal sur la mini. Le fait de toucher des trucs. Te slow ta vitesse, mais tellement. Ce qui en soi est normal puisque. C'est une petite voiture. Du coup, j'essaie d'éviter le plus d'éléments possible. Et comme ça, je serai devant. Nouvelles voitures qui sont rajoutées sur le jeu ne t'intéressent pas. Comment ça? Bah, si je joue uniquement en BR, je m'en fous un peu du coup. Ça, c'est une réalité par contre. Puisque de toute manière, je n'ai pas le choix des voitures que je joue et je vais pas jouer en ranked, hein, je vais être honnête. Genre, je vais pas prendre de plaisir en ranked de mon côté. Ok, première win sur cette session. Que gagnes-tu à jouer en manuel? Beaucoup de contrôle, stabilité, vitesse en ligne droite. Beaucoup de choses en vrai. Nissan GT-R, c'est nice. Après, le jeu est généreux, je vous conseille pas de toucher une pierre à 120 km/h. C'est vrai. C'est totalement vrai, ça. Très bon conseil. Faut éviter les caillasses. Enfin, 1h30, 2h d'Eliminator par live. Ça fait 3h que tu l'as eu du Forza. Mais oui, mais en même temps, j'ai envie de vous écouter. Dans le sens où, comme j'étais en train de dire tout à l'heure, c'est un peu ce que je disais en mode bah, je sais pas ce qu'on va faire après et tout. Mais oui, moi je kiffe de ouf, tu vois. Je passe un bon moment et vous passez un bon moment en plus aussi. Donc, je suis en mode bon, allez, on en profite. En plus de ça, comme je vous ai dit, de toute façon, à partir de dimanche, je suis plus là pour les fêtes de fin d'année et tout. Donc ouais, je suis un peu en mode autant en profiter quoi. Ah, c'est dans l'autre sens. Bon, cette fois-ci le pari n'a pas fonctionné. Donc là, il va avoir pas mal d'avance par rapport à moi. Mais c'est comme ça, c'est la vie. Donc il va falloir être meilleur. Il va falloir être vraiment meilleur. Pouah, c'est dans la pampa là-bas, what the fuck. Il a décidé de off-road complet. Je vais pas suivre ce call-là. Bah voilà. Il a commencé à off-road, il s'est pris son meilleur arbre dans la gueule. Moi, je vais y aller doucement. Clairement, y aller tout doucement. On va follow la route par là pour le moment. Je vois que j'ai un itinéraire là qui vient de se former. Ok, on peut remonter. On peut remonter et prendre cette route. Je pense que ça peut être intéressant. Je vais y aller doucement. Ok, donc là la question ça va être de. Est-ce que. Oh non, Google, tais-toi! L'avez pas entendu. La question ça va être est-ce que je prends sa voiture ou est-ce que juste j'upgrade au level 3? On va voir. Il y a sûrement qui veut. Tais-toi, Google! On va voir. Alright. Faudra repartir vers la Porsche. Ah, il y en avait une derrière. Il y avait une Porsche level 5, genre. Donc Volvo. Ouais, Volvo V60 en vrai, elle tue. Donc là, il n'y a rien. Donc vous m'avez parlé d'une Porsche
dans un drop que je n'ai pas vu. En bas des zigzags. Ok. Ok, bien vu. J'y vais. Donc si on dit en bas des zigzags, c'est genre ici. C'est chiant qu'on puisse pas mettre de marqueur aussi sur la map. Je comprends pas l'intérêt qu'on n'ait pas le droit de se faire un itinéraire nous-mêmes. Pour certains trucs. Ça serait intéressant, je trouve. Stratégiquement parlant, ce serait intéressant. Ok, donc en bas des zigzags. En bas des zigzags, j'ai quand même cut un petit peu plus tard. Faut que je fasse gaffe. C'était pas là. T'es passé juste devant. On les verrait de loin. Ouais, ça y est plus. Ça y est plus parce que la zone elle a des pop, je pense. Tout simplement. Ok, bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. C'était une Porsche level 5, ça, hein, vous avez dit. Après, no joke, la Volvo V60 elle tue. Une putain de tuerie. Par contre, je vais pas aller par là. Je vais pas du tout aller par là. Faut que j'oriente mieux. Je vois qu'il y a des gens en fait derrière moi. Ah, il y a un drop là-bas. Il y a un drop là-bas. On va aller voir. Ok, il y a une voiture ici. Visiblement, il s'y attendait un peu aussi. Ok, il a décidé d'être sage, ça m'arrange. Il a décidé d'être très très sage. Full route into zigzag à la fin. Ok, pourquoi pas. L'avantage de la V60, c'est qu'elle va bien tenir là-dedans. Donc lui, il est en Audi. Je sais pas laquelle. Fuck, j'ai regardé le chat. Je sais pas laquelle il a. Donc en fonction de ce qu'on me propose, je prendrai peut-être sa voiture. Je pense que je vais aller off-road à partir de maintenant. Mais off-road très lent. Il est en train de me clutch. Il est en train de me clutch de ouf. Comment il est bien passé? Donc Lancer GS. Ah, j'aurais dû prendre la Lancer. En vrai, pour faire plaisir au chat, j'avoue que pour faire plaisir au chat, j'ai pris la Toyota. Mais bon, ça aurait été moi, j'aurais pris la Lancer, je pense, qui est plus stable. Il a eu full luck à la fin pour pas manger les rochers. Bah j'ai l'impression aussi hein, parce que là clairement il y avait que ça. Hein. Il y avait que ça tout autour donc justement je savais qu'il allait y avoir des rochers. Donc je me suis dit allez je safe. Ok il y a un mec qui me chase là. T'es en Touareg ou quoi toi? Fuck! Ah non, et la Toyota infâme en off-road avance. une fois que t'es sur route, c'est bien, mais là c'est vraiment immonde. Ok, good. Ah oui, par contre, une fois qu'on est sur route, là, y a aucun problème, c'est la meilleure voiture. Hein. Et alors avant ça, en plus c'est vraiment un putain de tank, hein, clairement. Tu peux te prendre des barrières ou quoi, rien à foutre. Ok, y a un mec s'est barré à gauche là.
contre une voiture plus rapide, hein. Pas de stress. Oh putain. Quand même gagner. Mais non. Donc là, je viens de me faire challenge par une Aventador. Et je suis obligé d'aller en off-road. Comment vous dire? Comment vous dire que je suis dans la pire situation au monde ATM, en fait? Ok, on va all-in. On va clairement all-in là-dessus. Surtout qu'il est passé par la route, ce chien. On va clairement all-in. S'il te plaît, dis-moi que j'ai réussi. Oh non, c'est sérieux! Putain! Juste parce que j'ai release un microseconde. Ah! Oh ah, aïe 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 aïe! La VAR! Je peux vous dire qu'à mon avis, c'est vraiment chié dessus. Hein. Bon, il va probablement win du coup, mais. Aïe aïe aïe! Moi je pense que c'est les serveurs éclatés au sol de Microsoft qui ont fait que j'ai lose. Aucune autre raison. Oh, vas-y. Salut le pin, comment ça va? Tu aurais gagné un succès. Ah ouais, c'est de win quelqu'un avec genre 5 niveaux d'écart ou un truc comme ça, non? J'avoue que ce serait bien d'avoir un espèce de replay de ton élimination. Non? Qu'est-ce que vous en pensez, ça? Ça, par contre, ça serait un truc cool. C'est vrai que ça fait longtemps, le Pins, comment tu vas? Alfa Romeo 33S, Batmoule. Une sorte de killcam, ouais. Une sorte de killcam. Trop à faire avec les cours, j'imagine. Bah écoute, reprise du stream depuis le Game Pass, donc ça fait plaisir, on est bien. Pas un replay, mais savoir, ou au moins savoir le temps, ouais. En vrai, pas ouf, car en général, c'est pas si close. Oui, mais à la limite, tu la skip instant, tu vois, genre, c'est à la personne de choisir ce qu'elle veut faire. Ouais, il y a un succès où quand tu bats un adversaire avec 5 niveaux de plus mini. Mais c'est avec le truc de l'Xbox Game Bar, là, où il y a les différents succès. On peut voir ça où? Chat... Alors. Ouais, mais même ce que je vous dis, c'est que même s'il y a une élimination à longue distance, bah tu skips la killcam, on s'en fout, tu vois. Montre le son du jeu STP. Un peu, mais bon. T'es la seule personne à me le demander, donc. Donc en vrai. Seul problème, c'est que ça monte très très vite. Genre pour moi c'est vraiment très fort là. Est-ce que c'est pas fort? Ouais non, mais c'est mille fois trop fort. Donc en fait j'ai pas le choix. Et ouais, c'est trop agaçant, clairement. Donc non. C'était très bien avant. C'était très bien comme ça. De toute façon on a pas le choix. Les tatars! Plus fort, restez paix. On veut que ça vroom. Rien à foutre, je te défie avec ton Ford Raptor de mort. Ah ouais, faut aller là-bas, bah c'est parti. Full off-road. Rien à battre. Je te baise, même en mini. Ah, c'est de la route là-bas, fuck. Alors, il est bon cet arbre? Tu m'en diras des nouvelles. C'est plutôt un pin ou un acacia?
Pourquoi évidemment? Oui, il s'est pris un autre arbre. Pourquoi évidemment le karma est comme ça, genre? Attends! Laisse-moi win! Oula, oula, oula. Oh non, j'étais clairement en train de me marrer sur un virage qui était vraiment vénère. C'est le tractor. Audi RS2 direct. Ton tracteur, il était sucré ou salé? Oh! Come here! Come here, little shit! Non, 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 non! Come here! Stop being so fast! Shitty fucking car! Oh oui! Mange-toi cet arbre! Merde! Ok. Je vois rien. Stop being so fucking fast. C'est où? Ouais, full route. Mais... merde. Putain. J'ai regardé le chat à droite. Non, 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 non. Là, il touche l'autre. Dommage. Je suis sûr qu'il a essayé. Je suis sûr qu'il a tenté. Est-ce que du coup des gens ont essayé... oh, Ford Focus. Est-ce que des gens ont essayé de rejoindre en convoi du coup? Est-ce qu'il y en a qui ont test de jouer en convoi le mode BR? C'est quoi cette route là? Pourquoi il y a des drops de partout? Pourquoi j'ai peur? Le nombre de drops, mec. Faut que je retienne cette zone. Faut que je retienne cette zone et que je spawn ici. Mais mec, il y en a encore un là. Certes, un level 2, mais... c'est grave, hein. Panamera. Porsche level 7, j'arrive. J'arrive, je fume. Je fume la mini et j'arrive. Ça serait abusé, je trouve. Ouais, j'imagine. Ah, mais j'ai tué Grandpa. Ok. La popo. Let's go. Chercher la popo. Et il faut vite que j'y aille. J'ai 30 secondes pour y aller. Et je sais même pas exactement où est-ce que ça se trouvait. Là-bas, il y a des fumées de drop. C'était vers là, hein. Let's go. Let's go. Petite Paname. Petite Panamera. Subaru level 3. Non mais tous les drops, mec, c'est nimpe. Et quoi là? Un golf. La reine rétrécie. Le Grand Dan. Ensuite, on a quoi là? Ah oui, il y avait la Ford Focus qui est quand même vraiment pas mal. Faut que je fasse des kills là maintenant. Faut que je défie des gens, faut que je fasse des kills. La reine rétrécie, ok. Vu la gueule de la reine, si je croise des gens ici. Il y a des gens en train de patauger là, je reconnais. You want to drop? Moi je vais aller tout droit.
par vents et par veaux. What it means to you. C'est pas évident là, clairement. L'endroit que j'ai décidé de traverser, c'est clairement pas évident. Ça, c'est vraiment de la merde. Je vous jure que j'ai rien pu faire par contre. Ça m'a mis full gauche à l'atterrissage. Oh, wow, c'est la forêt apocalyptique. Oh, mais vraiment, Wingo, là. Heureusement que je réagis vite, mais quand même, c'est de la merde. Mais qu'est-ce qu'il fout derrière moi? En fait, il y a vraiment des moments où quand t'as un tout petit jump ou quoi, t'as plus aucun contrôle. Mais vraiment plus rien. T'as beau mettre des à-coups à gauche ou quoi, il se passe rien en fait. Je vais pas aller là où il y a des arbres. Je veux pas aller là où il y a des arbres, je veux pas aller là où il y a des arbres. Ok, ok. Eh ben c'était laborieux, hein, bordel. C'est bon, let's go. Ouais, il a full galéré aussi, heureusement, hein, parce que sinon ça aurait été la merde. Salut Gigibas, comment ça va? Tu peux pas switch pendant une course. Et non, tu ne peux pas switch pendant une course. Ford Fiesta RS. Waouh. Waouh. Je l'ai jamais eu. Je ne l'ai jamais eu. Bonne caisse pour du rallye, ça. 100%. Fat Fiesta RS. C'est particulier. Ouais. Oh oui. Ah oh bah alors là, avec grand plaisir que je te défie, mon pote. Parce que le 6x6... Le 6x6, je pense, c'est le veau le plus emblématique du jeu. Quoique, il avance. Hein. Ouais, je vais me fumer. Ouais, full route. Ok, nickel. Nickel. C'est le meilleur challenge. Le meilleur de tous les challenges. C'est contre le 6x d'AMG de Merco de la marque My Bad. Comment on élimine des adversaires? Bah, de cette manière là, tu défies un mec et tu vas. Il faut être premier à la ligne d'arrivée et voilà. Et une fois que tu arrives premier, il est éliminé. Tu peux soit du coup récupérer sa voiture, soit passer sur une voiture du rang supérieur. Donc là, comme tu peux le voir en haut à droite, c'est vrai que merde, c'est con, mais. Voilà. Puisque du coup, j'avais les sponsors qui se mettaient dessus, c'était bête. Mais du coup, là, comme tu peux le voir en haut à droite, j'ai l'Audi S1 de niveau 9. Le maximum, c'est le level 10. Et voilà, on a quoi là en face de moi? Ok, j'ai défié level 6. Putain, la zone, je viens de voir la zone. Ça a pas marché? Ça l'a pas défié? Fait chier. En même temps, c'est peut-être pas plus mal, je sais pas. J'aurais bien le défi en vrai. Et oh, connard. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il va dans la zone et tout, tellement il veut pas. Débarre. Foire. J'aurais trop envie de...
Ça a pas marché encore. J'ai appuyé mais ça a pas marché. Je pense qu'il est. Je pense que je peux pas le défier. Enfin que c'est le bug de tout à l'heure. Mec, il est en full dodge. Je suis en train de lui faire trop peur en plus. Je vous jure, ça marche pas, hein. Ah, ça y est, il m'a défié. Je suis sûr que c'est dans ce sens-là en plus. Vous voyez, en fait, le problème sur les courses de fin de d'arène, tout simplement, de fin de game, c'est que c'est très très court, puisque la zone est petite. Et en vrai, même avec une voiture moins puissante, tu peux te faire éliminer très facilement, en gros. Allez, Mercedes, s'il te plaît. NG. Oh non. J'ai jamais win avec cette connerie, là. Finale dans 30 secondes, on est en haut, ça va forcément partir en bas, je suis au bon endroit. Et du coup on m'a dit qu'on pouvait partir à partir de maintenant dans la zone. Bah c'est ce qu'il est en train de faire l'autre. C'est clairement ce qu'il est en train de faire. Waouh, ça va être chaud. Ça va être dur. Il est level 10. Il va vite. Alors, visiblement, il s'est fait full stuck. Ouais, super. Il est immaniable, hein, ce truc. Hein. C'est vraiment infâme. Essayer d'être meilleur que lui. Je sais pas, il s'est stuck là, hein, j'ai l'impression. Oh, il est loin. Allez. Allez, top 1. Let's go. 230 en 3ème, je fais pareil en 307. Let's go, let's go. 4ème top 1 de la journée. Boys. Nice. Nice. Imagine si tu pars 15 secondes plus tôt. C'est complètement cheaté. En tout cas, ouais, quand tu comprends ça pour la phase finale, c'est important, quoi. Ah là, je vous donne des strats de ouf. Hein. Je vous donne des strats de ouf. Pour gérer la phase finale, en tout cas, c'est assez insane. Parce que final, là, par exemple, j'étais au nord. Même si tu vas en bas, même si c'est un peu à droite, t'as forcément de l'avance, quoi, d'une manière ou d'une autre. C'est pas si gênant. Et au pire, t'avances vraiment pas beaucoup, mais t'as quand même de l'avance, quoi, c'est sûr. Where you go? J'ai pas compris la strat de fin, mais GG. En gros, je t'explique. À la fin, t'as une zone qui est petite. Si la zone, elle est au nord, sachant que la course de la phase finale dure 7 km, il faut que tu te dises que ça va aller à 7 km de distance. Donc déjà, ça veut dire que ça peut pas aller vers le haut. Donc en gros, l'idée, c'est que tu commences à partir vers le bas direct, quand la zone elle est vers le nord. Comme ça, t'avances pas forcément de beaucoup, mais t'avances au moins de 10 secondes. Si c'est vers la droite, enfin, généralement, ça va pas être full à droite, ça va être en diagonale droite ou en diagonale gauche. Donc c'est-à-dire que si t'avances un petit peu devant, juste tu turnes à droite et à gauche, mais t'es déjà gagnant de 10 secondes. Et quand t'as une voiture aussi rapide que celle que j'avais au début, bah voilà quoi. Et du coup, tu peux te repérer en fonction de cette partie de zone... en fonction de l'emplacement de ta zone finale, tu peux déterminer de où va se trouver la ligne d'arrivée de la dernière run, quoi. T'as repéré où était la zone full drop de tout à l'heure? Ouais, c'est là où je viens de drop d'ailleurs. Est-ce qu'il y a un mode de jeu similaire mais où t'es obligé de rester sur la route à chaque course et là je défie? Non.
Cross mix. Alors, en théorie, je suis au bon endroit. Ah non. Merde. C'est pas là du tout. Je crois que c'est pas là du tout. Non, je suis pas au bon endroit. C'était où? C'était où tout à l'heure? Je croyais que c'était là. Hein. My bad. My bad, my bad. Bah il va falloir trouver un drop. Ouais, je pensais que c'était par là, mais en fait non, pas du tout. Il va falloir trouver des drops et puis on va voir. On va voir, nouvelle game, nouvelle vie. Le battle royale des voitures qui continue. Et voilà. C'est une bonne game la précédente, je trouve, parce qu'elle était clairement pas easy quoi. Maintenant essayer de GG en mini aussi. Non, trop chiant en vrai. Drop. En vrai trop chiant, genre. Peut-être un autre jour, mais. Ok. Salut Ormcry. Donc, on est en voiture de level 2, c'est clairement pas insane. Bon. On va chercher de cette manière-là. Ouais, c'est un peu le pire succès, ouais. Et les succès, on les trouve où? Il y a quelqu'un qui vient d'avoir une voiture level 10. Je viens de voir ça à gauche, là. Hoonigan. Il a chopé la Hoonigan. Super pilotage! Sacré pilotage. On voit rien là, c'est vraiment violent là. On ne voit rien du tout. C'est un peu abusé là. Mec, niveau 10 à ce stade, c'est GG. Non, non, bah non, parce que regarde, j'ai atteint le niveau 10 sans avoir de drop level 10. Il va pouvoir éliminer des gens, mais bon. Est-ce que vraiment il va s'y risquer? Déjà il y a cette question. Il y a une voiture à droite là-bas là, mais bon. Putain, c'est relou d'aller les chercher là-bas. Ils sont en pleine pampa. La pampa! Tu vois, ce qui est marrant, c'est que la mini va aussi vite que ma Golf. Je suis à 170 km, la mini elle va à peu près cette. Salut H, comment ça va? À cette vitesse. Salut à tous. Oh y'a Macam98 qui claque son tir 1. Merci beaucoup Macam. Ça fait très plaisir. Allez, 1v1 du coup avec cette mini. L'avantage par contre que j'ai, c'est que si je dois un peu jouer au fraud, je serai forcément gagnant, je pense. Par contre, c'est loin là, c'est giga loin. Les premières runs sont si loin. Là, c'est l'objectif, se prendre zéro arbre. Et ensuite, on verra. Faut surtout pas que j'aille là-bas. C'est l'espèce de carrière chelou là. Faut vraiment pas que j'aille là-bas. Ça va être la merde sinon. Il s'est arrêté contre un arbre, je crois. Oh, s'il te plaît, quitte le jeu. Ça me ferait grave plaisir. Je vais où là? Oh, je suis obligé de passer à droite en plus. Je crois que cet endroit là on peut pas traverser l'eau. Ouais non, c'est le big lac, on peut pas traverser l'eau. Donc je vais devoir passer par la zone. C'est l'enfer. C'est horrible. Vraiment pire truc quoi. Nice drift.
Tout ça pour win une level 3. Eh ben bordel. Qu'est-ce qu'il faut pas faire, hein? Je suis un peu sur le barrage. Il n'y a pas de route sur la map, mais il y a un passage. Si, la route elle est indiquée quand même normalement. Ah oui, il y avait le début de route là, en effet. Enfin, je l'ai pas vu, my bad. Je crois que tu pouvais contourner par le nord. Bah tout à fait, ouais, je pouvais contourner par le nord. Oui, tout à fait, Ashtail. Tout à fait. Allez. Lancer MR06. El Clasico del Madrido. Donc il y a une voiture là-bas. J'aime pas du tout être dans ce genre d'environnement et essayer de challenge un mec. Je suis dans la zone, c'est déjà ça. Je suis dans la zone. Versatility meilleur team en fait. Ah ou il y en a tic. Ok. Une petite voiture là-bas là que je suis en train de rattraper. Petit à petit. Mais là j'ai beaucoup de level à prendre, c'est ça le problème. C'est pas évident. Je crois que c'est une mini. Oui, c'est vrai que j'ai déjà bouffé du temps en zone. C'est exact. Merde. J'ai cliqué. Merde. J'ai cliqué. J'aurais pas dû. Il a l'aspi sur moi là pour le moment, donc c'est pas évident. Il s'est pris un arbre. Mais putain. Ok, nice. Ça c'est bon ça. J'ai appuyé à gauche, j'ai pas volé sa voiture. Non, mais c'est pour avoir du challenge. Moi j'aime bien le challenge. Salut. Voilà, hyper pratique de me faire défier dans ce genre de situation. Bon. Bah c'était cool en tout cas, surtout qu'il est avec la Porsche et là ça va être full route. Donc ouais, c'était cool. Une belle aventure en tout cas. Belle aventure de ma part. Ah, la level 4 à la place de la level 7. Ça pardonne pas. Non mais en plus c'est full route, il a la Porsche ou la S1, je sais plus. Bon, et tout pour le tout. Hein. Oh, bon, d'accord. C'était quoi? Ouais, non, c'était full route. Dommage, bien joué. T'as tenté le challenge, pas de chance. Delis Syntex. Forza a reçu un hotfix pour reset la voiture en éliminateur et le bug de challenge. Quand on l'a maintenant? Ça vient de sortir. Ah ouais, sérieux. Stylé. Stylé, c'est des boss. Ok. Bon, en vrai, nous sommes à 3h41 de live. Il est 18h40 et je vais stop. Je vais stop parce qu'en plus, on a live ce matin déjà, donc c'est pas mal du tout. Je pense qu'on a eu une belle session. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Vous avez passé un bon moment? Absolument rien compris au mode. Eh, pourtant, c'est pas très compliqué. Oh, un vrai. C'était cool. Bah écoutez, moi aussi je passe un très bon moment, c'était très très bien.
On en refera avant que je parte en vacances. On en refera. Donc demain soir, soirée Edge of. Samedi en live dans la journée, donc je sais pas exactement ce que je fais. Et dimanche, je pourrais peut-être live le matin, mais je promets rien. Donc pourquoi pas samedi dans l'après-midi, en mode les mêmes horaires là, genre de, j'en sais rien, de 13-14 heures jusqu'à 18, un truc comme ça peut être pas mal. Et demain soir, du coup, demain de 16h à 20 heures, je serai en live. Voilà, c'était tout pour moi. Je vous souhaite une excellente fin de soirée. Et merci, merci d'avoir été présent.